Anthropologue, mais utilisé comme banquier, en fait comme technicien véritablement dans la banque, mais je garde des contacts. Voilà, d'abord, je vais à Irvine avant de reprendre dans le domaine financier, où j'ai cette possibilité de terminer le livre qui devient Comment la vérité et la réalité furent inventées. Mais les anthropologues de Californie savent que je suis en Californie et ils ont l'amabilité de continuer à vouloir m'associer comme un exilé à leurs activités. Et je partis à l'époque où je suis à Los Angeles, je participe à des travaux du groupe qui s'appelle Human Complex System, qui a été organisé par, mis sur pied par Dwight Reed. Et je fais partie là avec d'autres anthropologues. Je participe à des séminaires où ils ont l'amabilité de me considérer comme un des piliers de l'anthropologie mathématique. Ça me permet de rencontrer des gens formidables comme Jared Diamond, des gens de ce genre-là, et aussi un prix Nobel d'économie, qui est un type tout à fait atypique. Je ne sais pas si je vais retrouver son nom, mais vous le reconnaîtrez facilement. Et on l'invite à notre séminaire, donc Human Complex Systems, où on invite aussi, par exemple, Sornette, que je connaîtrai par la suite, grand spécialiste des tremblements de terre, parce qu'il va appliquer ça à la finance. Et il y a donc ce prix Nobel d'économie, avec qui nous déjeunons, là, dans le réfectoire de UCLA, UCLA. Et il est couvert de bijoux indiens. Voilà. Et quelqu'un lui demande pour ah, vous avez un intérêt particulier pour l'art indien. Et il répond, il dit, on leur a volé leur pays, c'est la moindre des choses. Voilà. Et ça fait un petit froid, mais c'était splendide. Je trouvais ça splendide qu'il réponde de cette manière-là. Voilà, un type très intéressant d'ailleurs. Une personne qui a essayé de modifier la science économique, de la rendre behavior, en termes de comportement, behavioral economics. C'est dommage que son nom ne revienne pas. Mais je suis à moitié, donc voilà, à moitié anthropologue, encore reconnu par les anthropologues, et banquier dans la journée. Et il se passe quelque chose. J'expliquais donc que l'invitation à Irvine était due, avec un retard, bien entendu, à la reconnaissance de mes travaux sur des méthodes de faire une analyse automatique de la généalogie. Et là, c'est parce que cette distinction, évidemment, ne pense pas au fait que vous pourriez quitter entièrement la profession, faire des choses tout à fait autrement. Et quand j'étais à Paris, encore à l'époque, je travaillais dans la banque à Paris, Maurice Aymard, à la tête de la maison des sciences de l'homme, il n'aimait pas non plus à titre personnel ce fait que je sois là dans les marges, pas véritablement dans l'institution, et il m'avait confié un séminaire. Et là, conséquence de ce séminaire, il se fait que quand je suis dans la banque à Los Angeles, on me fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, directeur d'études ou je ne sais quoi, dans le Collège international de philosophie. Et je dis, ça va être difficile, je vois des banquiers toute la journée, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on me dit, il faudrait quand même que vous fassiez une conférence. Ah, j'ai dit, bon, bah, écoutez, je vais faire une conférence, mais je vais faire une conférence avec mes collègues de bureau. Voilà. Et j'ai fait ça chez moi, à Pasadena, c'était assez amusant. Ils ont joué le jeu. Je me suis intéressé quand même à des choses qui pouvaient, je leur ai parlé de choses qui pouvaient les intéresser. Par exemple, le débat entre l'inné et l'acquis en termes de prévision, la querelle des futurs contingents, est-ce qu'on peut savoir l'avenir ou non? Ça intéresse quand même des banquiers. Et donc, j'ai fait probablement la seule réunion du Collège international de philosophie, peut-être pas à Los Angeles, mais en tout cas, la seule qui s'est pas adressée, où il n'y avait aucun philosophe parmi les gens qui assistaient. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis aux premières loges quand le système s'effondre.
Je suis parmi ceux, bien entendu, qui essayent de sauver un petit peu, qui fait le pompier dans l'entreprise où je suis. Mais non, c'est immense, et puis on découvre des tas de choses. Il y a des tas de systèmes de sécurité à l'intérieur de ces titres subprime ou des tuyauteries qui permettraient de faire passer des réserves, de les faire remonter, etc. En fait, n'existent pas. Et là, on découvre, un collègue et moi, on découvre que la tuyauterie n'a jamais été mise, et on pose la question. Bah parce qu'on n'en aurait jamais besoin. Voilà. Et c'est ça, voilà. C'est ça la véritable raison. Parce qu'il y avait il y avait des valves de sécurité. Il y avait tout un système pour faire remonter de l'argent à l'intérieur de ces structures très compliquées où il y avait des fonds de réserve et ainsi de suite. Et en fait, ça manquait, ça n'existait pas. Et autre chose, tous nos systèmes d'alerte, tous les systèmes d'alarme, toutes les sirènes, tous les voyants lumineux, tout ce qu'on avait mis, tout ça ne marchait pas. Le jour où tout ça s'est écroulé, il n'y avait aucun voyant qui était allumé, il n'y avait aucune sirène, il n'y avait rien. Le lendemain, tout ça a flashé et tout ça, mais le jour même, pourquoi? Parce que tous ces systèmes d'analyse reposaient sur de longues séries chronologiques, comme on dit, c'est-à-dire c'était les données anciennes qui permettaient de faire la prévision pour demain. Il n'y avait pas d'analyse instantanée de la manière dont ce système fonctionnait. Et voilà, du coup. Et donc, je me trouve, la situation, ça devient la suivante, c'est que j'ai un manuscrit où j'annonce la crise des subprimes. Il est prêt pratiquement en 2005. Voilà. Et je le soumets à des éditeurs en France, un peu partout. Ça intéresse absolument personne. On arrive en 2006, et en 2006, je vais l'appeler mon épouse, bien qu'on n'était que paxés, me dit, il faut absolument que tu alertes quand même le monde avec ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Et elle me dit, envoie ça à des journalistes, puisque les maisons d'édition, ça ne les intéresse pas. Envoie ça à des journalistes. Et j'envoie ça, entre autres, à l'Express. Et ça tombe sur le bureau de Jacques Attali, donc qui est donc chroniqueur pour l'Express. Et là, je reçois une lettre en disant, Monsieur, c'est formidable, il y a là plein de données, c'est des choses que moi je prévois, mais sans avoir la moindre donnée pour soutenir ça. Et Jacques Attali commence à parler de ça. Il dit, j'ai ce correspondant, Paul Jorion, aux États-Unis, et puis il dit ceci ou cela, etc. Et il a son blog aussi pour l'Express. Et bien le jour où je me dis, au lieu qu'on ne parle de ce que je dis que par le blog de Jacques Attali, je demande à un de mes neveux qui connaît bien l'informatique, je dis combien ça coûte de créer un blog, et il dit 60 euros, je lui dis c'est bon, on y va. Et voilà, donc, mon blog démarre donc, c'est en février 2007. Le livre finalement vient de paraître grâce à l'appui que m'offrait en fait Attali en disant, commençant à dire, il faut absolument lire ce manuscrit, et donc on le publie, il est publié à la Découverte, et le livre finit par paraître quand même, je dirais, c'est quoi, 18 mois avant l'effondrement, paraît La Découverte, un livre qui s'appelle Vers la crise, j'avais appelé moi la crise du capitalisme américain, mais La Découverte a quand même voulu, puisque tous les économistes avaient dit ce type est fou, on a mis un point d'interrogation vers la crise du capitalisme américain, et ça a paru quand on l'a réédité, je vais faire remettre voilà, le titre original. Et pendant encore donc un an, je travaille dans l'industrie du subprime et je rencontre en direct véritablement de ce qui est en train de se passer. Et comme je l'ai dit, je suis dans la tour de contrôle, donc je suis vraiment bien placé. C'est à l'époque où d'ailleurs je parle régulièrement sur une radio québécoise parce que je suis un des seuls francophones à travailler au cœur du réacteur et donc les Québécois ont trouvé ça assez facilement et trouvent ça très bien. Et donc voilà. Et donc le jour où je suis viré, comme je fais partie quand même de la première charrette du 30% du personnel, parce que je suis quand même un emmerdeur qui n'arrête pas de dire qu'on n'aurait pas dû faire ça, que ceci, comme cela, etc., etc. Et donc j'en rends compte le jour même sur mon blog en disant voilà. Et je raconte ça parce que il s'était passé quelque chose dans la journée. Ça a fait un beau petit billet. Parce que il se fait que, bon, pour me rendre au boulot,
Je pars de Santa Monica, je suis toute la côte jusqu'à Malibu, je prends Malibu Canyon et à la sortie de Malibu Canyon, j'ai mon bureau. C'est-à-dire que tous les matins et tous les soirs, je fais une promenade de rêve dans le paysage le plus extraordinaire sans doute au monde. Bon, il y en a d'autres comme ça, mais c'est quand même parmi les, je dirais, parmi les 10 premiers, certainement. Et il se fait que c'est une route très étroite. Et bien entendu, comme c'est des gens qui se rendent au boulot, c'est une route très étroite sur laquelle les gens font du centre-camp. Mais tout est bloqué. Le matin du jour où je serai révoqué, tout est bloqué parce que on est rangé tout ça et on regarde ce qui se passe. Et je crois que c'est un gros chien. Je crois qu'il y a un gros chien au milieu de la route et une femme qui parle à ce gros chien. Ce gros chien, en fait, on voit, il n'est pas en bonne santé, il se relève, il tombe, et en fait, c'est un daim. C'est un daim. La femme, avec sa voiture, elle vient d'écraser un daim. Et le daim n'est pas tout à fait mort, il remonte sur ses pattes, mais on le voit s'écrouler. Et donc, je me rends au boulot en étant passé à 3 mètres d'une femme en pleurs, véritablement en pleurs devant cet animal qu'elle a écrasé elle-même. Au sein même, juste avant le tunnel, dans Malibu Canyon. Bref, ce sont des, voilà, c'est des choses pour faire des films, ça. Et j'arrive au boulot, et il y a des gens du personnel qui sont là, et il y a un voisin qui me vient et dit, c'est pas possible, tu sais pas ce qui se passe, Paul. Ils sont en train de virer les gens, et je dis, je sais plus comment il s'appelait, Greg, je crois. Je dis, Greg, j'ai été viré, moi, il y a 5 minutes, voilà. Ah, c'est pas possible. Mais voilà. Mais il se passait plus rien. Il se passait plus rien dans cette boîte. Avec un collègue, on en discutait. Et ce co collègue avait eu une très très belle expression. J'ai dit pourquoi est-ce qu'ils annulent toutes les réunions? Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas au moins qu'on discute de ce qui est en train de se passer? Et il me dit, ça je l'ai reproduit sur mon blog, ils sont en train de construire leur radeau. Et c'est ça qu'ils faisaient effectivement. Ces gens étaient en fait en train de travailler essentiellement sur leur retraite, sur leur assurance vie, etc. Ils passaient plus leur temps qu'à ça, à essayer de voler encore un peu d'argent dans un truc qui était complètement écroulé. Et c'était pas une mauvaise firme, parce que je suis sûr que parmi les 5 endroits au monde où le système de gestion du risque était le meilleur, il y avait des docteurs en mathématiques chinois, etc. C'est simplement que c'est que la technique financière était incapable d'enregistrer et de prévoir surtout une crise de ce type-là. Un des outils que j'ai dénoncé en cours de carrière, c'est un outil qui était fondé sur la, voilà, qui faisait des prévisions à partir du prix des maisons, voilà, du prix de l'immobilier. Et je regarde, on me l'envoie, ça faisait partie de mes compétences de faire des révisions de temps à autre des modèles financiers qu'on utilisait. Et je m'aperçois que ce modèle traite en valeur absolue la différence de prix entre les maisons. C'est-à-dire qu'il traite comme des chiffres positifs, même des pertes. Voilà. C'est-à-dire que quand le prix des maisons va baisser, il peut pas l'enregistrer. Il va l'enregistrer comme ça va mieux, que ça aille mieux. Et je dis ça tout de suite autour de moi et on dit mais on n'a jamais eu besoin de ça. C'est pour ça que personne n'a vu ce truc qui était en valeur absolue au lieu d'être un chiffre négatif quand c'était un chiffre négatif. C'est comme tout était de ce niveau-là. Mais comme je dis, on avait aussi les meilleures méthodes du monde et c'était invisible. Et bon, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je reste encore quelques temps aux États-Unis. Mais il n'y a plus de boulot pour des gens comme moi. Du jour au lendemain, on est 35 000 dans le même secteur, un secteur qui a disparu, et on est 35 000 à chercher du boulot. Donc, c'est pas possible. Et c'est à ce moment-là que, bon, que Fayard, qui commence à publier mes autres livres, les livres suivants, L'implosion, La crise, etc., me dit, écoutez, quand ces livres sortent, on fait des cocktails, on présente les gens, alors on est invité à la télé, on va à la radio, et vous n'êtes pas là, vous êtes loin, il faut que vous rentriez. Et je dis oui, mais voilà, maintenant je suis chômeur, ça coûte cher, etc. Et ils me disent combien ça coûte, et je dis combien ça coûte, ils me disent voilà, monsieur Loriot, on veut que vous soyez là, et on me donne l'argent pour rentrer en France. Et à partir de ce moment-là, bon, je suis pendant 11 ans, je suis chroniqueur financier au journal Le Monde. Quand on crée une chaire à la VUB, Vraie Université à Bruxelles, c'est-à-dire donc l'université néerlandophone de Bruxelles, quand on crée. C'est le milieu de l'assurance, là. Le milieu de l'assurance va se démarquer un peu du milieu de, voilà, du trading, des choses comme les subprimes. Et on crée une chaire de finance en 2012. Et j'ai la chance, voilà, et l'honneur qu'on me confie
cette chaire pour parler de finances de manière alternative, comme on dit, c'est-à-dire avec un regard critique. Et ça m'a, c'est l'occasion que j'ai eue de rencontrer le roi et la reine de Belgique, qui ont eu l'amabilité à l'époque où le roi était encore prince d'assister au cours que j'ai donné là. C'était voilà, c'était bien hein, d'avoir les anthropologues, comme vous savez, adorent les distinctions, les médailles, tout ça, les rituels. Ils sont comme les Indiens Guaranis, ils adorent les plumes et les machins. Quand Lévi-Strauss, on lui a offert d'aller à l'Académie française, il n'a certainement pas dit non, prouvant qu'il était un excellent anthropologue. Voilà. Et donc, peut-être pour terminer sur la finance, au moment où j'ai écrit ces livres comment dire, en live, voilà, en direct, j'ai envie quand même de faire un livre qui réunira l'ensemble des enseignements que j'ai pu tirer, non pas sur un plan sociologique, mais en termes de réforme de la technique financière. Voilà. Et je cherche un petit peu pendant quelque temps un thème pour ça. Et là, il y a un thème qui se présente, je dirais tout de suite à moi. J'ai vécu 10 ans dans l'université de Cambridge, d'abord comme étudiant et ensuite comme professeur. J'ai rencontré à ma table, j'ai une collègue au département d'anthropologie qui est Agnès John Maynard Keynes. J'ai une de mes collègues véritablement au département d'anthropologie qui est mariée dans la famille Keynes, pas directement mais indirectement. Keynes est tout autour de nous. Il était à King's College, dont Leech a été longtemps le provost. J'ai dû passer 1000 fois dans les couloirs de King's College, là où Keynes était passé avant moi, et pas seulement lui, il y avait Wittgenstein aussi. Mais non, là c'était à Trinity. Donc, je me dis, je vais rassembler autour de la personne de Keynes l'ensemble de mes réflexions sur la finance, parce qu'il est. Il est la personne la plus proche de ce que j'ai envie de dire sur l'économie et sur la finance. Et pourquoi est-ce qu'il l'est? Mais pour une raison historique. C'est-à-dire qu'il est nommé professeur d'économie alors qu'il n'a encore suivi. On dit qu'il a suivi de l'économie avec Marshall, c'est pas vrai. Et à l'époque où il est nommé, il n'a pas encore fait de finance du tout, ni d'économie. Il est mathématicien, il termine sa thèse sur les probabilités. Il a travaillé sur la monnaie, ça oui, il a travaillé pour le ministère sur la monnaie indienne, mais il n'est pas du tout un économiste. Il a appris l'économie véritablement sur le tas. Et je crois il y a un historien qui a montré qu'il a suivi pendant 8 semaines un cours d'économie, c'est absolument tout. Et donc, il est étranger au domaine. Il l'apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre lui et moi. Non pas qu'on n'avait pas des notions, on avait des notions, et en étant mathématicien, il avait d'excellentes notions, bien entendu, en ayant travaillé sur la monnaie indienne aussi, mais il n'est pas quelqu'un qui est économiste. C'est-à-dire qu'il va réinventer, ce qu'il veut prouver, il va le réinventer, et avec l'aide d'une petite équipe autour de lui, Joan Robinson, Pierre Schraffa, c'est-à-dire des gens du plus haut niveau, dont on le sait maintenant, écrivent certains des chapitres de ce qui sera sa théorie de la monnaie, de l'intérêt de j'oublie toujours le troisième, monnaie, intérêt, et bon, ça ne fait rien. Le lecteur aura rétabli. Ça m'ennuie quand même de ne pas trouver le troisième. Bien, ça ne fait rien, on continue. Et donc, là, dans ce livre, voilà, ça c'est un livre que je ferai pour Odile Jacob. Voilà. C'est Madame Odile Jacob elle-même qui a voulu le titre Penser tout et l'économie avec Keynes, mais je mets tout, c'est-à-dire je mets l'homme, je fais une biographie, je décris le milieu, c'est-à-dire que là je suis véritablement, à la fois je dirais théoricien de la finance, mais aussi sociologue, anthropologue aussi d'une certaine manière. Je m'intéresse beaucoup aux relations qu'il avait avec Bloomsbury, avec l'ensemble de ces personnes à cette époque. C'est le même milieu qui lance la psychanalyse en Grande-Bretagne. Il y a tous ces grands romanciers qui sont attachés à ça. Connaissant bien ce milieu dans lequel Keynes se trouvait, ayant des choses à dire sur la finance, par une critique en fait de la science économique, et en important tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain, à la fois d'abord chez des pêcheurs, aussi bien en Bretagne et puis en Afrique, qu'ensuite dans la banque, une représentation de la formation des prix qui tient debout bien davantage que ce qu'on trouve dans les livres d'économie.
au point qu'on reconnaîtra mon talent de ce point de vue-là. Quand j'attaquerai là, voilà, les dirigeants de la zone euro en leur disant il n'y a aucune justification en fait sur le plan théorique pour faire payer à la Grèce les taux que vous avez déterminés, puisque la prime de risque n'existe pas, la prime de convertibilité en euros n'aura pas lieu puisqu'on aidera la Grèce à pas sortir, etc. Je vois des gens qui m'invitent au Parlement européen, on m'invite à parler au Sénat, en France, à l'Assemblée nationale, on m'invite au Parlement belgique également, on m'invite à la Banque centrale du Luxembourg, malgré le fait que les banquiers luxembourgeois ne m'aient pas particulièrement à la bonne. Mais enfin bon, une anecdote d'ailleurs, je suis là, parler à la Banque centrale du Luxembourg, et il y a deux personnes qui chahutent au premier rang, au point que je m'arrête et je dis, écoutez, si ça ne vous intéresse pas, il faut que vous disparaissiez. Bon, la personne, c'était à ce moment-là, mais j'ai eu l'occasion comme ça, une fois, de parler au dirigeant de la Banque centrale du Luxembourg, sans le savoir, mais j'aurais dû le deviner puisqu'il était au premier rang. Voilà. Et donc, un livre qui intègre, voilà, un livre dont je suis fier, parce qu'il intègre à la fois ce que j'ai pu apporter à la finance en termes de nouveautés ou de corrections sur certaines choses, mais en même temps montrant, à partir du personnage de Keynes et de tout son entourage, le personnage qu'il était, pourquoi il pensait de cette manière-là, qu'est-ce que ça signifiait d'être John Maynard Keynes à l'époque qui était la sienne.